vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance pour votre véhicule, votre habitation ou votre santé et vous réglez vos cotisations. En cas de sinistre, il arrive parfois qu'un différend survienne avec votre assureur sur la question de l'indemnisation. L'assureur peut invoquer plusieurs cas pour refuser une indemnisation, comme par exemple une déchéance de garantie ou des exclusions prévues au contrat. L'avocat pourra alors intervenir avec plusieurs solutions avant de saisir un juge. Dès le début, prenez un dossier complet de votre sinistre. Préparez des photos, des devis, des factures, gardez des témoignages. Tous ces éléments peuvent être importants. Rapprochez-vous ensuite de votre conseiller d'assurance habituel pour vérifier les raisons du refus de garantie. Il pourra alors intervenir directement auprès du siège de l'assurance sur votre dossier. Si l'assureur refuse toujours de vous indemniser le sinistre, il convient de lui adresser un courrier recommandé de contestation auprès du service contentieux, et ce dans un délai de 2 ans. Si l'assureur maintient sa position, faites une demande auprès du médiateur de l'assurance. Il rendra alors un avis complet sur la situation et sur votre dossier. Enfin, si l'intervention du médiateur n'est pas satisfaisante, il sera nécessaire d'engager une action judiciaire contre l'assureur avec l'aide de votre avocat.